Salut à tous, c'est la Loucroft en direct du Salon des maires avec Nico de chez Exacoff. Aujourd'hui, on est là pour représenter l'association Gilets Ukraine. C'est une association qui récupère les gilets des polices municipales pour les envoyer en Ukraine. Donc, c'est des gilets de classe 3 qui ne protègent pas contre des tirs de kalach, mais qui vont protéger quand même contre des ricochets, des éclats d'obus, etc. Donc, c'est vrai, ce qu'on disait à l'instant, c'est quand même mieux en terrain très hostile de sortir avec un gilet qu'en t-shirt. Donc je suis très très fière que Nico il ait eu cette initiative. Je suis fière d'en faire partie et j'invite toutes les polices municipales de France à donner leurs gilets pare-balles qui sont déclassés, dont ils ne se servent plus et qui sont en train de pourrir dans des placards. Des gilets qui pourraient être d'une grande utilité aux Ukrainiens. Eh bien, Dega, je te remercie pour tout. Et ça dépasse le cadre associatif et professionnel. En définitive, les polices municipales de France et leurs communes ont deux choix. Soit elles paient pour brûler les gilets, sachant que ça ne se recycle pas, donc polluer. Soit nous les récupérons, nous les reconditionnons et nous les envoyons en Ukraine. C'est gratuit, on se charge de la logistique. Et on a eu la chance hier que le président de la République, M. Macron, porte son attention sur cette initiative. M. le ministre Darmanin aussi. De l'intérieur, donc on espère que ça va ne faire que progresser à partir d'aujourd'hui. Merci Nico. Eh ben, je t'en prie et on continue ensemble. Avec grand plaisir. Bye bye l'équipe.